Bonjour, bienvenue à toutes et à tous au Dynamic Game de La Roche-sur-Yon. Encore de retour avec notre ami Damien. Donc deuxième test de PlayStation 5 parce qu'on commence à avoir des titres qui vont arriver malgré le confinement. Même si les titres sont reculés, on a quand même des titres qui vont arriver normalement pour cet essai si tout va bien. Donc on espère pouvoir vous présenter pas mal de jeux. Donc effectivement, on va faire un petit test. Donc Demon's Souls, tu as le temps d'y jouer ou pas? Tu l'as fini? Comment c'est passé? Fini, non, c'est compliqué. Mais j'ai commencé à y jouer et Transformers, ça marche, c'est pas évident. Déjà niveau de difficulté, les anciens. Donc là, il était complètement remasterisé, je crois. Ouais, donc graphiquement, vous allez voir, c'est une tuerie absolue, surtout si vous avez un écran 4K. Ah, là, c'est un jeu à pas louper. Donc même si je suis pas sûr que t'es à mon niveau, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Non, pas trop. Après, c'est vraiment le plaisir des yeux. Je joue de temps en temps, mais j'évite de casser les choses chez moi. Bah oui, c'est normal. Et puis les manettes, c'est 69 balles quand même. Hein. Ouais, vous en profitez pour vous les manettes. Par contre, technologiquement parlant, on peut vous assurer que au niveau technologie, la manette est exceptionnelle. Ah là, on sent qu'on est dans la next-gen. Voilà, donc c'est pas n'importe quoi. Non. Donc toujours respecter le protocole sanitaire. Là, on a 1m50, 2m. Avant, on s'entraînait au taekwondo ensemble, mais là, on peut pas. D'ailleurs, faut qu'on fasse des sessions, ça nous manque, c'est un peu. Ouais. Mais bon, on fait un petit test rapide de Demon's Souls. Donc un petit test de 5 minutes, vous verrez. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un autre test, de toute façon. Hein. Donc allez, c'est parti pour le test de Demon's Souls. Surtout, me jugez pas quand je vais jouer. Merci bien. Demon's Souls. C'est parti. Allez, on y va. Donc on est en train de parler de jeux vidéo, forcément on est tous des passionnés dans le jeu. Donc là c'est le jeu par contre, là t'as le disque. Dans le changement, il n'y en a pas, comme vous avez pu voir. Ah la vache, ah oui. Ça se voit, ça. Ah il est beau, il est beau. Hein. Il est moins détaillé Resident. Ah oui, il est beau quand même. Hein. Ah, et toujours en Full HD, hein, t'es pas en écran 4K. Comme le Resident Evil, le dernier test qu'on a fait la semaine dernière, la semaine d'avant. Ah ouais d'accord. Ah ouais, ouais. On retrouve. Ah oui, rien à voir avec la version PS3. Hein. Ah purée. Alors là on est à un autre niveau là. Ah bah ouais, graphiquement, même les ombres, tu vois, c'est pareil ce qu'on disait au niveau. C'est impressionnant. Oh, et au niveau maniabilité, comment ça se passe? C'est pas trop compliqué, non? Ça va? Si. Ah ouais. Ouh. Ouais d'accord, direct. Ah oh, la vache, les effets de lumière. Là c'est de la magie, c'est ça? Ouais, alors dans ce niveau là, c'est compliqué. Il le faut. Ah ouais. Il le faut, d'accord, de la magie. Okay. À savoir que si il y a toute la raideur d'un démon de soul, quand je fais une galipette, c'est très lourd. Ah ouais, plus on est équipé, plus on est lourd, plus on est lent. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, okay. Il faut gérer ça. Ouais, mais ça te permet d'avoir plus de sécurité. T'as une armure plus imposante, donc forcément plus résistante au coup. Exactement. Donc c'est toujours la même chose, quoi. C'est au détriment du déplacement, c'est logique. Ouais, donc t'as un menu sur le côté qui te permet de. Ouais, voilà, donc armes, là je vois que j'ai très peu de magie, donc je vais m'en remettre un petit coup. D'accord, ok. Hop là, tac. D'accord. Ouais, graphiquement il est beau quand même. Hein. Donc c'est toujours pareil que les anciens, les monstres sont vraiment très difficiles à combattre. Ouais, j'ai battu qu'un seul boss, mais tellement que c'est dur, on en est très fiers. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, graphiquement il est beau. Hein. Oh, la qualité du jeu, par contre, faut prévenir nos youtubeurs, nos clients déjà, ouais. Parce que apparemment c'est un jeu qui est très très difficile. Ah complètement. Donc il y a au-dessus, il y a Sekiro qui existe sur PS4 bien sûr, que je conseille mais qui est vraiment très compliqué. Là on a du Demon's Souls qui est juste en dessous, après on va avoir du Nioh Collection qui est sorti sur PS5 et après on va avoir du Ghost of Tsushima par exemple, le test qu'on a réalisé il y a quelques temps. Mais là c'est quand même niveau de difficulté élevé. Hein. Ah là c'est... Limite là pour l'instant. Bah c'est très bien, parce que le peu qu'il y en a, c'est... Mais ils sont compliqués, ouais, ils sont compliqués. Là, je sais qu'il y en a un qui est là-bas, voilà. D'accord, donc l'histoire du jeu, c'est quoi en fait, Demon's Souls? Bah, souvent l'histoire... Ah oui, en effet, tu vois le moins... Ah oui, et voilà, je suis mort, voilà, bienvenue sur Demon's Souls. Oh, la vache, ah ouais.
Donc tu as la possibilité de mettre ton bouclier pour te protéger ou pas? Ouais, mais j'ai pas pensé. Même l'effet nuageux après. Et voilà. Et tu revis, il y avait pas une histoire de feu de camp là? Non, mais on revient au début du jeu. On revient au début du niveau. Voilà. Ah ouais. Ah, ouais, tout ce que j'avais accumulé en haut à droite, ben c'est... Non, on a une petite chance, c'est de retourner à l'endroit où on est mort, de ramasser ce qu'on a perdu, mais si vous mourrez avant, ben c'est perdu. Ah ouais. Ah ouais, donc c'est un vrai problème là. Donc vous comprenez pourquoi je connais par cœur le chemin, parce que Ah ouais, non, mais c'est pas... Moi, personnellement, c'est pas un jeu pour moi. Alors, juste après, pour... C'est compliqué, t'es patient, franchement, Damien. Pour vous montrer... Ouais, j'y joue un peu moins, parce que j'ai envie de rien casser chez moi. Comme vous disiez tout à l'heure, quoi. Ouais, 69 voilà. Balles la manette. Donc, pour vous montrer, si par rapport à la PS5, tout le monde dit, ouais, pas tant de chargement et tout, et ben c'est vrai, parce que là, par exemple, on va partir du monde pour aller dans le lieu principal. D'accord, ok. On y va. Téléportation. Ok. Ouais, ça ressemble à une feu de camp, hein. Une sorte de pierre. Et on y est. Volcanique. D'accord. Voilà. Ça, cet endroit est très important. Il n'y a pas eu tant de chargement, on est bien d'accord, là. Ah, non. Là, vous allez pouvoir acheter vos potions, on peut en trouver dans le niveau, mais on peut en acheter si vous avez de quoi payer, mais là, vu que j'ai perdu, mais bon, à zéro. Donc, attends, mais l'ambiance Enigma, quoi. Ah ouais, non, là... l'ambiance... Parlons de la DualSense aussi. Ouais, donc... Elle, alors, à chaque fois qu'on frappe un objet ou un ennemi, on entend le bruit de l'épée. D'accord. Ouais. Et les vibrations sont vraiment sympas. Ouais, d'accord. C'est en adéquation avec le choc. Quand tu vas appuyer, c'est ça. Tu vas avoir le son et la vibration. Ouais. Donc une multi-vibration, parce qu'il y a plein de petites vibrations à l'intérieur de la manette. Ah, complètement. Donc, ouais. On comprend technologiquement pourquoi elle coûte un peu plus cher. Magnifique. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte avec cette petite vidéo, mais là, nous, en direct, c'est impressionnant. Qualité d'image, on est en 1080 sur la vidéo que je suis en train de tourner, mais graphiquement parlant, au niveau ambiance, ah ouais, là, il y a quand même des ennemis là. Ah ouais, donc j'ai un peu de suite. Oui, d'accord, ok. Il y a un timing en fait pour pouvoir. Ah ouais, même les petits bonhommes, les personnages, les petits soldats pourris là, en 2-3 coups, ils peuvent nous tuer si on fait pas gaffe. Parce que, une chose à savoir, ah bah tiens, je voulais faire pipi. Eh ben, on peut pas si on est dans le sol. Ah ouais, tu peux faire de pause. Bah, si. Mais le jeu là, continue. Là, je suis en pause, mais le jeu continue. D'accord, donc tu peux te faire. Parce que là, on voit en arrière-plan, là, mon bonhomme, il continue de marcher. D'accord. Donc, il faut faire vraiment dans un endroit safe. Voilà, où tu puisses, t'es sûr, faire une heure ou deux heures de jeu, et sans être dérangé. D'accord, là, ça va être compliqué. Le jeu vous laisse pas de répit. Ah oui, d'accord, ok. La 2, quand c'est 2 ou 3, ça commence à être... Parce que vous pouvez pas aussi bloquer tout le temps, vous avez la barre d'endurance. Ah oui, bien sûr, d'accord. Ça me rappelle Vagrant Souris. Qu'est-ce que ça fait comme coup, là? Tu l'as repoussé, j'ai l'impression, non? Oui, imagine. C'est au bon moment, quand on fait ça au bon moment, ça fait... Ah d'accord, une barre, ça permet de la repousser, d'accord, ok. Non, 2-3 coups d'épée, ça passe apparemment. Wow. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, j'étais surpris, là, pour le coup. Toi, c'était... Voilà, j'ai un peu évolué, mais au début, vous commencez le jeu ici. Ah, il est là. Ouais, à savoir aussi, une petite astuce, ce qui nous gêne dans le jeu, oui. Ça gêne aussi les ennemis. Ah, ça c'est bien. Genre par exemple, on est contre un mur et on n'arrive pas trop à taper, et ben c'est pareil pour l'ennemi aussi. Ah, bah, tant mieux. Ça c'est bien. Ouais, moi j'ai pas ça. C'est tout le monde. Tout le monde au même niveau. Voilà. Normal. Ah ouais, alors là, c'est un peu compliqué peut-être, non? Si tu te fais toucher, je suppose que tu as des dégâts de feu avec. Ouais, donc une petite roulade. Mais ils sont peut-être plus sensibles au feu ou à la glace, ou t'as pas des magies que tu peux appliquer sur tes épées, sur tes armes? Si, mais j'en ai plus. D'accord. Ouais, c'est un nombre limité, quoi. C'est comme les munitions à Resident Evil. Comment? C'est comme les munitions à Resident Evil, quoi. Ah ouais, c'est limité, quoi. Ouais, c'est encore. Et puis là, c'est encore. Et là, c'est pire. Allez, c'est fini pour notre test de Demon's Souls. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un jeu qui est vraiment très, très, très difficile. Donc à conseiller aux gens qui ont aimé donc tout ce qui est Sekiro, tout ce qui est Nioh, tous ces jeux-là. Moi personnellement, c'est pas mon style de jeu parce que je pète les manettes facile. Je crois que ça va être comme toi. Je parle pas parce que je suis fatigué. Tu es déjà fatigué. Ah, d'accord. Donc et toi, mon ami Olivier, alors qu'est-ce que t'en penses? Tu es là aujourd'hui avec nous encore. C'est très joli, mais pas mon style de jeu. Voilà. Donc chacun son style de jeu. Graphiquement, vous avez vu, c'est une tuerie. Encore un jeu PS5 qui mérite le détour. Exactement. Donc on vous conseille de l'acheter. Forcément, ça fait partie des très bons titres. Donc on se retrouvera pour un prochain test, peut-être pas au magasin de La Roche, mais peut-être à Luçon, peut-être qu'on ira voir. On ira peut-être aussi à Thouars, je vais promettre de passer le voir. Voilà. On vous parlera un peu du monde du jeu vidéo.
Donc les consoles ont commencé à se débloquer chez Dynamic Game, on commence à avoir quelques quantités, mais très très faibles. Toujours. Apparemment, au mois d'avril, ça devrait se débloquer. Peut-être, ouais, on aimerait bien. On aimerait bien, c'est vraiment sympa. Donc on se retrouvera très bientôt pour un prochain test, les amis. Et puis, on vous dit à très bientôt. Donc toujours, n'oubliez pas, le vaccin arrive bientôt, tout le monde sera vacciné, au mois de septembre, cette année, ça devrait être bon. Mais pensez à ça, ou la distance de sécurité, ok? Voilà. Allez, à très bientôt. Allez, donc, on se retrouve à bientôt. Monde. Allez, bye bye. Salut. Je suis concentré, j'ai envie de parler. De toute façon, on est happé par le jeu. Ça, ouais. Ça apparemment, c'est lui qui m'a ouvert la console. C'est pareil, il a fallu l'acheter. Parce que moi, le Mortal Kombat en 4K, je suis pas déçu. Ah, t'as essayé alors? Mortal Kombat en 4K, c'est X. Ultimate Edition, là. En fait, je m'étais acheté un jeu et je l'ai acheté. Donc, 3, 2, 1, 0, 3, 0. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti.